Quand je veux dormir un peu plus longtemps matin, puis que mon chum me rappelle que je dors pas, puis que je fais pas ce qu'il faut pour réussir à dormir, je me sens coupable. Quand il faudrait que je sois super en forme pour ma famille, pour mon travail, mais que je suis pas, je me sens coupable. Je n'arrive pas à dormir. Dans les pays développés, 30% des gens sont insomniaques comme moi. Depuis l'automne 2012, en privé, dans la noirceur, je les rencontre et je recueille leurs témoignages. Bienvenue dans le journal d'une insomnie collective.